Voilà, la famille. Bonjour, mes projecteurs. J'espère que vous allez bien. Je reviens cette fois-ci dans cette vidéo parce que vous savez, depuis la sortie de Shakiro, mais le buzz l'a mis long, hein. Depuis la sortie de Shakiro, les gens ne font que m'envoyer les messages. Franco, dis-nous, est-ce que ce qu'on entend là est vrai? Les journalistes qui veulent même m'inviter, même sur leur plateau, pour venir parler de ça, défendre ou bien donner mon point de vue et tout. En fait, moi, j'ai préféré parler de ça sur mon propre plateau. Vous comprenez un peu, non? Mais je vais répondre à ces questions par deux théories. Oui, par deux théories. Déjà, un, on ne va pas crier. Je ne crie pas. Et ceux qui sont dans les bruits, pardon, sortez des bruits pour bien comprendre. Parce qu'il ne veut pas parler deux fois. Donc, l'histoire de Shakiro, comme Shakiro a cité les X et Y, d'ailleurs même tout le monde connaît, il y a les noms. Pour répondre très simple, pour ceux qui ne parviennent pas à comprendre jusqu'à ce moment, il faut utiliser la théorie de soustraction. Première théorie. C'est-à-dire que si tu fais 7 moins 3 ou moins 4, vous pouvez comprendre ce que Shakiro voulait dire. Vous comprenez, non? Parce que c'est une théorie que quand tu appliques, ça te donne le résultat final. Vous avez compris la théorie là? 7 moins 3 ou moins 4. Si vous ne comprenez pas, vous rentrez directement au village. Si vous n'avez pas compris cette théorie, rentrez directement au village. Ou encore, appliquez l'autre théorie. Vous comprenez, vous connaissez la théorie là. La théorie, c'est de ça qu'il s'agit. Quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là où tu es vraiment en danger. Parce que vous avez vu que depuis la sortie de Shakiro, les gars sont en danger. Les gars sont en danger. Les dirais, les ceci, les cela. Wow. Les gars sont en danger. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est où tu... Quand tu sais que tu n'es pas en danger, c'est où tu es vraiment en danger. Mais vous pouvez calculer la vitesse d'un rat rouge en danger. C'est ce que les gars là sont en train. Donc chacun est en danger là présentement. Qui n'a pas compris quelque chose? Vous voulez encore que j'explique quoi? Les gars, ça c'est un buzz du jamais vu. Shakiro a fait fort, vous comprenez, non? En tout cas, certains nous ont promis les directs et tout le reste pour nous expliquer vraiment le contenu. Donc, je ne peux pas encore donner les détails. Attendons un peu pour voir ce qu'on va nous dire ce soir. C'est ce soir ou bien c'est... En tout cas, les gars, il y a l'ambiance ce soir. Hein. Évitez trop de bruit. Parce que quand il y a trop de bruit, là, on pose les questions, on n'entend pas. Vous comprenez, non? Il faut éviter trop de bruit. Parce que quand vous êtes trop dans les bruits, on vous pose les questions, vous... Même les questions, vous avez compris, vous faites comme ça. Vous faites comme si vous n'avez pas compris. Pourtant, vous avez bien compris. Vous ne voulez pas répondre à la question. Pourtant, vous avez bien compris. C'est la théorie du village. C'est-à-dire que quand on veut... Ou bien, quand on veut déjà rentrer au village, on pose les questions, on ne comprend pas. Les gars, abonnez-vous. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le buzz, hein? Pardon, ne mettez pas les organes. Je rentre chez moi. Si ça ne va pas, si Yaoundé me dépasse, je rentre au village. S'abonnez-vous. Je voudrais rapidement vous inviter à la découverte du complexe Las Vegas à Messassi. Ok. Voilà, désormais, si vous avez vos événements à célébrer, n'hésitez pas à contacter le complexe Las Vegas situé à Messassi. Le complexe Las Vegas dispose de deux salles de fête climatisées, hein, avec des couverts, des didiers et un espace pour la cuisine. Vous avez également besoin d'un endroit pour le repos. Rendez-vous rapidement au complexe Las Vegas. Là-bas, il y a 10 chambres VIP et 10 chambres classiques. Un restaurant VIP également et un snack bar. Appelez rapidement le contact qui s'affiche au bas de cet écran pour entrer en contact avec le responsable du complexe. Ok. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.